Unité 4. Les inventions et les créations. L'inventeur Rachid Eliazami. Semaine 18 et 19. La journaliste. Bonjour Monsieur Eliazami. Soyez le bienvenu sur le plateau Les Stars de la Science. Pouvez-vous nous parler de vous? Monsieur Eliazami. Bonjour, je suis marocain, originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. La journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire? Monsieur Eliazami. Après des études au Maroc, j'ai été en France, où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La journaliste. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur? Monsieur Eliazami, je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. La journaliste, combien de brevets avez-vous obtenu pour vos recherches et découvertes? Monsieur Eliazami, il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. La journaliste, tout ceci est passionnant. Merci pour vos toutes ces précieuses informations. Unité 4. Les inventions et les créations. L'inventeur Rachid Eliazami. Semaine 18 et 19. La journaliste. Bonjour Monsieur Eliazami. Soyez le bienvenu sur le plateau Les Stars de la Science. Pouvez-vous nous parler de vous? Monsieur Eliazami. Bonjour. Je suis marocain, originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. La journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire? Monsieur Eliazami, après des études au Maroc, j'ai été en France, où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La journaliste, quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur? Monsieur Eliazami, je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. La journaliste. Combien de brevets avez-vous obtenu pour vos recherches et découvertes? Monsieur Eliazami, il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. La journaliste. Tout ceci est passionnant. Merci pour vos toutes ces précieuses informations. Unité 4. Les inventions et les créations. L'inventeur Rachid Eliazami. Semaine 18 et 19. La journaliste. Bonjour Monsieur Eliazami. Soyez le bienvenu sur le plateau Les Stars de la Science. Pouvez-vous nous parler de vous? Monsieur Eliazami, bonjour, je suis marocain, originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. La journaliste, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire? Monsieur Eliazami, après des études au Maroc, j'ai été en France, où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La journaliste, quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur? Monsieur Eliazami, je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. La journaliste. Combien de brevets avez-vous obtenu pour vos recherches
et découverte. Monsieur Yazami, il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. La journaliste, tout ceci est passionnant. Merci pour vos toutes ces précieuses informations. Unité 4. Les inventions et les créations. L'inventeur Rachid El Yazami. Semaine 18 et 19. La journaliste. Bonjour Monsieur Yazami. Soyez le bienvenu sur le plateau Les Stars de la Science. Pouvez-vous nous parler de vous? Monsieur Yazami. Bonjour, je suis marocain, originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. La journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire? Monsieur Yazami. Après des études au Maroc, j'ai été en France, où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La journaliste. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur? Monsieur Yazami. Je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. La journaliste. Combien de brevets avez-vous obtenu pour vos recherches et découvertes? Monsieur Yazami, il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. La journaliste. Tout ceci est passionnant. Merci pour vos toutes ces précieuses informations. Unité 4. Les inventions et les créations. L'inventeur Rachid El Yazami. Semaine 18 et 19. La journaliste. Bonjour Monsieur Yazami. Soyez le bienvenu sur le plateau Les Stars de la Science. Pouvez-vous nous parler de vous? Monsieur Yazami. Bonjour, je suis marocain, originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. La journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire? Monsieur Yazami. Après des études au Maroc, j'ai été en France, où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La journaliste. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur? Monsieur Yazami. Je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. La journaliste. Combien de brevets avez-vous obtenu pour vos recherches et découvertes? Monsieur Yazami, il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. La journaliste. Tout ceci est passionnant. Merci pour vos toutes ces précieuses informations.